Denis Sassou Nguesso, qui est revenu aux affaires après un coup d'État militaire sanglant, soutenu par la France de Jacques Chirac en juin 1997, s'avère être l'un des hommes politiques le plus médiocre de l'histoire moderne du Congo. Comment peut-on comprendre qu'après 40 ans de pouvoir totalitaire, ce médiocre est incapable de construire un écosystème économique, infrastructurel, social et politique comme l'avait fait l'ancien président Alphonse Massamba Déba? Combien d'entreprises publiques a-t-elles été construites depuis que ce voyou est revenu au pouvoir, après l'éviction du président Pascal Lissouba? Comment peut-on construire un tissu social viable et fiable alors que 95% des jeunes Congolais sont au chômage? Pire encore, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa famille considèrent les ressources naturelles du Congo comme un patrimoine familial. Aujourd'hui, Oyo, la ville d'Oyo, son village natal, est plus propre que la capitale pétrolière Pointe-Noire. N'est-ce pas choquant? Comment peut-on se taire face à cette injustice? En même temps, ses enfants et ses petits-enfants sont tous propriétaires des luxueuses villas en Occident, notamment en France. Il est difficile de dire à un jeune Congolais qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais quitté le Congo, de l'expliquer surtout que Dubaï a été construite à peine 30 ans, alors que Jean-Jacques Bouya fêtait ses 20 ans au ministère des Grands Travaux, dans un pays complètement insalubre. L'Éthiopie, qui fut l'un des pays les plus difficiles à vivre, aujourd'hui est l'un des pays africains le mieux noté. N'est-ce pas choquant? Macky Sall, en presque 10 ans, laisse des infrastructures à couper le souffle au Sénégal. Combien d'entreprises publiques a-t-il construit depuis lors? À quoi servent-ils ces conseils de ministres? Nous continuons à classifier sans cesse toutes les propriétés acquises par la famille Sassou Nguesso, achetées ici en France. Le moment opportun, nous constituerons un dossier auprès des autorités compétentes avec l'accompagnement des organisations internationales afin de mettre la main sur ce patrimoine immobilier. Nos propos sont en aucun cas injurieux, puisque Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire avait tenu le même discours devant les officiels du FMI, Fonds monétaire international, rapporté par plusieurs médias. Vous pouvez le vérifier. Avec l'arrivée de Macron au Congo, l'empereur d'Oyo, le dictateur Denis Sassou Nguesso, devrait garder à l'esprit la dernière image qu'il a eue lors de son investiture bidon avec Idriss Déby, qui fut reçu en grande pompe à l'Élysée avant son assassinat. Dans son récent discours du nouveau partenariat France-Afrique, Emmanuel Macron, président de la République française, a affirmé que la France n'avait plus besoin d'hommes providentiels, mais plutôt des institutions fortes dans des États africains, afin de construire un véritable faisceau, un véritable partenariat entre l'économie française et africaine. Ceci est un message fort adressé à l'endroit des dictatures, des dictateurs des pays de l'Afrique centrale. À bon entendeur, salut.